soir. 1m80 de muscles. 27 cm. 1m80 de chouka, ouais, plus. Bon, enfin, est-ce qu'il y a des filles intéressées? Oui, je vois monsieur là. Non, écoute, je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Ça va bien, non, merci d'être là ce soir. Non, c'est vrai, parce que Valérie Damido, je l'aime beaucoup. Je voudrais juste lui demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que tu feugises un peu ton émission. C'est-à-dire? Non, franchement, parce que c'est sympathique ce que tu fais en déco et tout, mais j'aimerais que tu mettes plus de mezouza dans les maisons que tu décores. Des mezouza? Ouais, mais sauf que tu les maroufles pas, hein. Mais des mezouza de couleur alors? Des mezouza, tu fais ce que tu veux. Je veux de la mezouza, je veux kiffer. Ah oui? Je comprends pas. Non, j'ai décidé, voilà, comme je suis un petit peu l'animateur le plus foge de la télévision, j'ai envie de feugiliser la télé. Ça veut dire Jean-Pierre Foucault, vous savez que c'est un ami à moi. Je lui dis, Jean-Pierre, j'aimerais que tu mettes un nouveau joker. Je veux plus l'appel à un ami, je veux l'appel à un rabbin. Ça veut dire, on a un problème, on appelle un rabbin. C'est vachement bien. Non, c'est bien. Ah non, c'est bien. Jean-Luc Delarue, vous avez vu qu'il était foge? Je savais pas. Si. Ah bon? Sur la Torah. Ah merde, la vérité. Sur la Torah, il est feuge. Ah oui. À la rentrée, d'ailleurs, il a décidé de voir les choses en grand. Il va s'appeler Jean-Luc de l'Avenue. Ça, je voudrais dire, c'est pas de moi, c'est de moi. Déjà le nom, tu vois, Harry Roselmack, tu peux le voir au sentier. Tu vois, Harry Roselmack habite toute la Starac, tu vois, un dos comme ça. Ah ouais, c'est bon ce dos. Voilà, je suis sur Roselmack, je suis sur Chazal. Ah. Je vais feugiliser la télé, je suis sur Ruquier, là. Ah ouais. Et Rachid Aram, on s'en occupe ou pas? C'est fait. Ah, c'est fait. Ouais, ça y est. Et tu l'as mis de mezouza? Il va s'appeler Rachid Feugegraf. Bien. Donc on n'a pas trouvé de gonzesse pour toi, tu vas comme d'habitude. Comme d'habitude. Tiens, alors, tu sais qu'on est ici quand même pour une association caritative, il y a des lots à gagner. Vous avez tous 50 tickets chacun ou pas? Oui. Madame, je sais que vous avez un problème avec le monsieur au niveau de sa coiffure devant vous. N'hésitez pas, il y a Franck Provo en coulisses, il peut passer du fait. D'accord? J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une coupe de cheveux à gagner chez Franck Provo dans les lots. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a des voyages en Israël. Ah bah ça, je me disais aussi. Alors, il y a un séjour pour deux personnes en Israël, avion plus hôtel. Ça vous fait plaisir ou pas? Il y a ça. Il y a des bijoux. Et bah calme-toi quand même. D'accord, il n'y a pas des bijoux. Il y a un bijou offert par Eternay. Eternay, ça c'est son nom anglais, et son nom français c'est Sarah Bechnel. Il y a des Wonderbox, c'est bien ça, c'est fun les Wonderbox. Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est une petite boîte avec des cadeaux dedans, abruti. Il y a des spas, des week-ends en amoureux, des escapades gastronomiques. Ça te parle gastronomique? Oui, d'accord, très bien. Et puis il y a des billets d'avion El Al offerts par Patrick Amar. Parce que Patrick est dans la salle. Merci Patrick pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et il y a aussi des sacs. Et il y a plein de choses, et tu viendras, il y a une nuit d'amour avec Cyril. Alors ça, non, ce ne sera pas possible. Merci en tout cas, parce qu'en fait, je vous explique, elle m'a appelé hier soir, elle m'a dit, voilà, je présente une soirée, est-ce que tu peux passer 5 minutes? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, voilà, je tenais à venir vous voir ce soir, merci d'être venus aussi nombreux. Et vraiment... Non, maintenant, on va lancer une grande star, internationale. Oui, déjà, pour la tombola, allez-y, non, parce que c'est vrai qu'on en a rigolé, mais c'est important, et en plus, c'est... Et oui, il faut acheter vos tickets. Donc maintenant, on vous lance une surprise. C'est tellement une énorme star qu'on n'a pas pu mettre son nom sur l'affiche. Sinon, c'était pas possible. Les filles, elles faisaient la queue sur 10 km. On était obligés de prendre du service d'ordre. Donc, on vous laisse avec notre surprise qu'on aime profondément. Riez bien. Allez, casse-toi. On s'en va. D'accord.